Salut, donc d'abord j'aimerais m'excuser parce que je me suis trompé. Cette tornade elle sert bien à l'île des pirates. Bon là je recharge mes invocations. Mais c'est pas le boss de cet endroit. Hein. Ce que vous avez vu, il fallait que j'utilise vision pour revenir jusqu'ici. C'est après avoir récupéré le djinn, donc ouais ça c'était optionnel. Hein. Donc ça peut servir pour aller à l'île des pirates, mais c'est pas cette tornade là qui... ouais, qui est le boss. Bon, c'est un boss aussi, en fait il y a deux boss dans cet endroit. Il y a cette tornade. Donc alors tout d'abord, vous vous rappelez, c'était des dino brises Oui, je vais faire la tactique du bois là. Oui, vous vous rappelez, c'est des dino brises, le dino normal. Alors lui, c'est un... comment on fait là? Je regarde. Voilà. Lui c'est un dino vent et le boss c'est le dino souffle, mais il y a deux boss. Donc je sais pas quel est le plus fort entre lui et l'autre. Hein. Donc là où je vous dis, je fais la tactique du bourrin. C'est-à-dire que je balance toutes les invoques comme un malade. Après ça augmente mes dégâts élémentaires, parce que ça augmente l'affinité. Hein. Donc là je passe tout. Normalement ça devrait marcher, mais j'ai oublié de soigner Yvan comme un con, et Garrett aussi. On s'en fout. Il se darde de plusieurs morts. Mais je les réussirai et comme avant le boss il y a une pierre synergie, ça ira. Oh le petit con. Enfin, j'envoie des invoques de niveau 2. Comme Vlad il a écrit une seule truc après, j'avais pas envoyé des invoques de niveau 1 donc. Donc là il a plus son truc donc lui je balance ça. Là je fais Kirin et Calypso. Non, je préfère autant qu'il fasse ça. Et voilà, comment tuer un boss sans se faire chier. Bon après il faut récupérer les trucs. Hein. Et là c'est moins drôle. Faut récupérer les trucs, je veux dire, ressusciter les persos. Sauf qu'il faut que relier cette ville. Hein. Parce que là j'ai pas encore ressuscité. Voilà, je peux maintenant. Donc là, elle peut toujours pas faire. Voilà. Donc voilà. Là, un petit vision. C'est assez marrant, on voit les traces de pas. Donc là, le boss, il est bientôt. Le voilà. Ah non, c'est pas lui. Oh, j'ai eu des cafards alors que c'était une tornade. Voilà, faudrait. J'aurais bien comprendre. Oh bon. Allez, je vais devoir un combat juste avant de me faire prendre par la tornade en fait. Bon. Donc il va falloir que je me mène le cul pour la pierre synergie là. Sinon je risque pas de l'avoir. Je sens que je suis mal. Donc là je vais mettre vision en raccourci. Merde. Bordel.
Oh le con! Bon bah j'ai oublié de faire une inondation sinon je me retrouve au village donc. Là je suis assez mal, hein, je vous le dis. Je vais tenter la même tactique avec l'autre. C'est mal barré. Hein. Je vais même pas soigner, bon tant pis. J'espère que ça va marcher. Tactique du bras, donc. Ça c'est le vrai boss. Hein. Quoi écrire l'inter. Oula. Oh merde, la pauvre. Je vous ai dit c'est mal barré, je vais même pas sauvegarder donc je suis mal si je perds. La tactique du bois c'est très dangereux. Faut éviter de la faire. Et si ça marche, le combat est cool. Tiens, je crois qu'il est plus fort que l'autre. Hein. Ouais, un peu qu'il est plus fort même. Il est toujours pas résurrection. Je suis assez mal. J'hésite, ouais, je vais prendre Calypso et Atalanta. Oh, c'est passé près. Hein. Je vous dis, ça marche la tactique du bourrin. Enfin, faut pas le faire sur les derniers boss, hein. Mais ça marche quand on sait s'y prendre. Juste qu'on a des grosses pertes après. Merde, elle a pas encore récupéré ces trucs là. Oh non! Bon, ça va, c'est que ça. Vous avez vu comment je bats un boss en 10 secondes avec ça? Oh putain. Garrett, le chanceux. J'ai dû lui mettre des porte-bonheur hein. Dans son inventaire. Hein. Elle doit l'avoir, putain, toujours pas. Mais là, si vous avez pas compris, j'attends qu'elle ait récupéré cette jean, Sophia, pour pouvoir. Voilà. Voilà. Donc là il y a un cercle, donc il y a un truc. Et nous voilà à fond. Vous avez vu, le désert était pas très long. Faut juste pas louper le jean. Et comme ça vous avez l'info pour savoir comment aller dans le la caverne des pirates. On verra après éruption. Et voilà. Et s'il y a la mystique de l'air. C'est la mystique de l'air, ouais, qui devait être à la tour de Babi.
Ouais, ils sont faibles ici, putain. Alors. Y'a rien par là? Oh merde. Ouais, mais il est bien gentil, mais si les autres attaquent pas, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc ouais, ça sert à rien en fait. Je crois pas qu'il y a un djinn là-dedans. Hein. Ils sont là les djinns, il m'en manque. 4, 5. 5 djinns, il me manque. Je vais pas le louper à mon avis. Voilà, il part de ce là. Donc là, vous avez compris que Salamandar et compagnie sont passés par là. Comme si le papier s'existait, ça. Jack, il nous montrait une photo de Babylon ou toi. Vous avez vu, là, c'est comme les soldats anglais. Ils sont partis, ils sont encore à la garde à vous avec leur lance bien droite et tout ça. Donc là, c'est un temple, hein, au cas où il y aurait des morts, des gars à enlever la malédiction, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, comment on passe là? Alors, comment est-ce qu'on peut passer? On doit tomber d'en haut, peut-être. Ouais, il y a que ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça augmente quoi ça? Agilité. Je le mets tout le temps Sophia parce que je préfère qu'elle puisse soigner avant que les ennemis rattaquent. Donc lui maintenant il est option. Destruction. Elle, je la garde pour le soin. Merde. Mais ça c'est comme choc mais en plus puissant en fait. Après il y a plasma choc, c'est encore plus puissant. Ça après Ruxon il y a pyroclasme. Ça les noms je me rappelle des noms des sorts. Souhait. Donc le sort de soin de zone amélioré. Là il y a un sort aussi que je pourrais vous montrer qui est sympa. Faire ça. Voilà. Vous allez voir. Là c'est beau. De toute façon, on va le voir sur Warax, puisque Warax il balance tout ce qu'il peut partout. Hein. Donc là, il y a des trucs, mais il faut pas se gourer. Bon, allez, au pif. Ouais. Avec ma chance, ça va être génial. Hein. Ouais, voilà, un prisme, c'est sympa. Enfin, normalement, il y a mieux que ça. Hein. Après, il y a Grêle, voilà. Ça, j'aime bien. Marrant. Bon, c'est de la glace, c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien. Surprise. Merde. Sorcier taupe. C'est quoi? Sorcier taupe. Je sais pas ce qu'ils ont contre les taupes, mais laisse tomber, tu sais. Ils aiment pas parce que ils viennent détruire leur champ quoi. Oh yes! Donc un cran en plus à droite. Oh bah j'ai bien fait de descendre parce que sinon j'aurais loupé cette ligne. Ce qui aurait été quoi. En plus c'est le dernier djinn d'eau je crois.
C'est bizarre parce que Vlad il lui en manque deux des jeux de moteur. Alors je vais pas me gourer cette fois. C'est où? Merde, je crois que c'est là. Voilà. Ça c'est magie, on peut les avoir aussi avec d'autres classes. Hein. Donc ouais, pour vaincre un dream, il suffit d'invoquer une invocation niveau 4 d'éléments opposés, c'est bon. Oh merde, Vlad. Il est encore en train de foutre la merde, lui. Pendant d'habitude, c'est Garrett. Non, je vais pas lui mettre. Ça m'étonne quand même que... Il en manque deux, lui, des jeans Vénus. Je pense qu'il est par là. Je sais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, mais de toute façon, il n'y a pas d'autres jeans dans le même truc. Je continue avec soi meilleur. Parce que soit normal, bof. Oh le con. Vous avez vu, maintenant avec 4 attaques normales, on arrive à tuer les ennemis en un seul tour. Ouais. C'est bizarre comment on voit ici. Mais je connais le jeu, mais je me rappelle même plus des peurs de soi là. Je me rappelle du fer de Babi, mais c'est juste après, logiquement. Je me rappelle plus du 2 que du 1, en fait. Je crois que vous avez remarqué. Bateau. Mais quand tu veux que j'atteigne le navire, non? Je vais bientôt couper la vidéo. Voilà. Alors qu'on utilisera la fin du jeu. Voilà. Donc à la prochaine vidéo.